Coucou tout le monde. Alors, si vous ne me voyez pas beaucoup, c'est que je suis toujours la bricoleuse. Voilà. Bon, là, je me suis fait un meuble provisoire pour la salle de bain. Donc, Gaëtan finira ce truc-là, hein, qui est moche. Voilà. Mais moi, dans les découpes, je suis plus qu'emmerdée. Voilà. Parce que figurez-vous que j'ai une scie sauteuse qui, normalement, voilà, à le point rouge, là, vous savez, voilà, pour guider, hein, mais que même avec ça, ben, tu coupes pas droit. Donc là, j'ai commencé ma cuisine qui, vous le savez, m'énerve. Donc les meubles du haut étaient installés. Là, j'ai mis ces meubles-là et là. Et alors, j'ai essayé, apparemment, j'ai trouvé une peinture qui pourrait tenir dessus. Bon, ça m'arrangerait bien de ne pas tout changer. Donc là, j'ai coupé cette étagère-là, voilà, qui va rester là. Et je vais en faire une ici, avec des petites étagères, voilà, pour mettre le cappuccino et tout ça, voilà. Donc, bah maintenant, on va aller au garage, à mon crayon, voilà, parce qu'il faut que je trace mon trait. Alors, c'est un peu le bordel ici, hein, parce que, bah voilà, quand tu bricoles, c'est la merde. Vous voyez mon mur qui est dégueulasse, c'est de ça que je vous parlais. Hein. Voilà. Donc là, à part tout nettoyer et puis. Regardez, là, c'est encore pire. Voilà. Bon, bah là, je crois que je vais devoir brancher ça. Donc là, j'ai pris les mesures. Ah, je sais pas si vous allez voir. J'ai pris les mesures, voilà, pour mettre l'étagère sur le côté. Donc, je vais couper ici. Ça, je vais le démonter. Je vais le refixer ici. Voilà. Et après, je viendrai mettre, bien entendu, des petites étagères dedans. Voilà. Bon, parce que là, j'en ai vraiment marre. Et vous voyez, regardez la peinture. J'ai essayé comme ça a l'air d'aller. Bon, c'est dégueulasse, j'ai essayé au pinceau. Et là, je vais le faire au rouleau. Et ça a l'air d'aller, voilà, sur tous les meubles. Sur aussi bien les beiges que les marrons. Donc, à la base, ce que je vais peut-être faire, c'est les peindre et puis déjà une couche de blanc, voilà. Après je mettrai la couleur que je veux. Alors je sais pas, j'avais envie de faire rouge. Donc je ne sais pas du tout. Et parce qu'il faut éclaircir la pièce. C'est vraiment. Alors je sais pas, soit rouge, soit gris. Sur du blanc, ça sera peut-être mieux le gris, je sais pas du tout. Et je changerai que les poignées pour qu'ils ont tous les poignées pareilles. Les devantures, bon, ça va, c'est ça. Et là, c'est ça. Donc, à la base, ça ressemble bien, hein. Donc, je vais voir. Bon, allez, salut les gars. Je continue la vidéo, ben, une fois que c'est coupé, parce que je vais pas vous mettre la tronçonneuse, hein. C'est, oh, la scie circulaire sur table. Je vais déjà faire attention de ne pas me couper une main. Parce que quand on a deux bras gauche, hein, voilà. Mais bon, Gaëtan, vous voyez, il a fait son camion. Alors, ses planches sont là. Et puis, bah, monsieur, il est parti travailler. Puis, il m'a laissé tout le bordel. Et puis, il faut que je range mon garage parce qu'il y a tous les jouets des gosses et tout. Voilà. Donc, si vous ne me voyez pas beaucoup, pas d'inquiétude. C'est normal. Mais il faut aussi que je fasse mon travail. En plus, comme, voilà, il y a le soleil. Eh ben, je vais refaire mon atelier dans le garage, n'est-ce pas? Comme ça, j'aurai plus de résine dans ma maison. Alléluia! Alors, voilà les amis, ce que ça donne, ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Donc, bien sûr, le plan de travail va être changé. Hein, voilà. Parce qu'à force de changer de place, les découpes ne sont pas au bon endroit. Voilà. Et puis, je pense que je vais repeindre, hein, voilà, de la même couleur. Voilà, je ne sais pas encore la couleur, je vais voir, mais voilà, au moins je trouve que ça fait propre comme ça. Ça fait plus propre, et puis ben là il manque une poignée, mais je m'en fous puisque de toute façon je vais changer toutes les poignées quand ça va être repeint. Donc voilà, je gagne de la place comme ça, c'est très très bien. Donc voilà, bon, ce week-end j'enverrai Gaëtan chercher. Un nouveau plan de travail ou une fois que les peintures sont faites, c'est pas très gênant, mais voilà, au moins ça me plaît bien. Voilà. Donc, ben voilà, si vous me voyez pas, hein, c'est parce que je bricole et je bricole, parce que quand il y en a marre, c'est ma labeur. Et
Bon, je suis pas expert, hein, je suis pas menuisier, voilà. Mais au moins c'est fait. Et pour l'instant, bah voilà, c'est ça me fait un gain de place, donc ça me va très bien. Et tout est rangé. Et j'aime bien quand c'est rangé. Moi, j'aime bien quand les choses sont en ordre. Donc voilà, les amis, vous voyez, je bricole, je bricole. Demain, je vous ferai une vidéo de mes plans et de ma serre. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée.